Vous avez retrouvé la trace de toutes ces filles en un temps record. Ce sont toutes des amies d'enfance ou d'adolescence qui m'adoraient. Et le temps passe, passe. Je suis passée par un site qui s'appelle Copain d'avant. Bravo. Alors, je vous écoute. Alors, Isabelle Landry. Elle n'est pas libre en fait parce qu'elle est déléguée des parents d'élèves et que. Voilà. Liliane Bordon. Ah oui! Alors elle est partie vivre en province. Ah bon? Où ça? À Neuilly-sur-Seine. Maud Servoni. Alors la pauvre, elle a perdu son père et son chien. Bon. Abrégez, Adeline. Donnez-moi les noms des quatre rendez-vous que je vous ai demandé. En fait, j'ai réussi à avoir qu'un rendez-vous. C'est Cathy Bento. Elle a vraiment insisté pour vous voir. Elle avait l'air très contente. Elle m'a dit « Ouais, super, génial, je suis contente de la voir. » Et elle a vraiment insisté. Ça m'étonne pas. Elle était collante. C'était un peu la risée de l'école. La pauvre. Mais bon, fixez une date et surtout pas dans mon quartier. D'accord. Très contente de te revoir, vraiment fameuse. Moi aussi. C'est fou comme tu as changé. J'étais pas sûre que ce soit toi. Tu es tellement plus... Vieille? Non, pas plus vieille. T'es plus... Moche. Non. C'était drôle. Non, pas plus moche. Au contraire. Tu te souviens, l'acné? Oui. Oh, vraiment, c'était... partout. C'était dur, hein? Mais bon, passe. Et moi, j'ai changé? Ah ouais. T'es plus... belle. Tu vois, en fait, je te dis ça parce que c'est 2 heures de travail. Tu vois, regarde. En fait, aujourd'hui, je suis à la tête du plus gros institut de sondage de France, quasi d'Europe. Ouais, je sais. Ah, faut que je te montre des photos de mon nouvel appart. Tiens, attends, tiens, regarde. Ça, c'est le salon, donc c'est une grande pièce de vie d'environ 60 mètres carrés. C'est chouette, hein. Là, il y a une chambre, la suite parentale. Et, t'as pas changé, en fait. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est quand même dingue, tout ce qu'il disait sur toi au bahut. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais, les gens, ils parlaient beaucoup de toi. En général, ce qui revenait le plus, c'était insupportable. Ah oui, il disait... Elle est insupportable. Ça te fait rire? Ah non, mais c'est très sérieux. Hein. Et parfois même, ils inventaient des scénarios de torture. Ah ouais. Et celui qui nous faisait le plus marrer, c'était on mettait de la cire sur tes pupilles, là, comme ça, 2-3 gouttes, puis on prenait des aiguilles, et on titillait la surface comme ça pendant un long moment. Et puis paf! On enfonçait. C'est ça, tu vois, qui revenait de plus. Lui crever les yeux à cette pute, à cette salope, à cette connasse. Bon, allez, je vais y aller, moi. J'ai du travail. Hein. Et oui, j'ai un mari, j'ai des enfants. Et ça, on s'en fout totalement. Ça n'a aucun intérêt. Allez, moi, je suis pas numéro 1, truc muche, sondage bidule. Mais je vais quand même te payer ton petit café. Voilà. Une dernière chose.
T'as pas d'enfant ? Pas de mari ? Non. Eh ben, je me suis toujours dit ça. Elle, elle crèvera toute seule, comme une merde. Allez, salut. J'oublie les copains d'avant. Ce qui m'intéresse, c'est les copains d'après. Faut savoir tourner la page. Bah restez pas plantés là, Adeline. Asseyez-vous. Et puis, il fait chaud, enlevez votre veste. Asseyez-vous sur le canapé. Voilà. Comme je suis débordée, j'aimerais, si vous le voulez bien, Adeline, que vous vous occupiez de ce dossier. C'est-à-dire que je vous missionne, je vous paye même, pour que vous me trouviez des amis-filles. Avec tout ce que vous faites sur le net, là, vos 4500 amis sur Facebook, les tweets et les trucs bizarres que vous organisez, ça va être facile pour vous, non ? Bon, 1000 euros, ça va ? Parfait, ma petite Adeline. Trouvez-moi un truc fun. Une petite soirée entre filles. De ma génération. De mon niveau culturel. Qui m'aime. Qui m'apprécie. Une soirée de filles. Du genre celle qu'on appelle en cas de coup dur.